Et bonsoir encore une fois, chers amis aventuriers. Comment allez-vous? Salut. Bonsoir. Très bien. Ouais. Eh bien, très bien, on se retrouve après un combat, ma foi, épique, je pense, on peut dire. Hein, pas pour les Légendaire. raisons, voilà, pas pour les raisons qu'on pourrait y penser, mais c'était sympa, c'était très cool. On a vu enfin Ikki se démarquer des autres. Alors, pas longtemps, trois rounds, Oh, moi, je trouve qu'il s'est bien démarqué sur le dernier round. Mais oui, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. C'était C'est du progrès. intense. C'était un C'était peu trop intense. court mais intense, voilà, c'est ça. Ouais. Il a tout donné là. Et quelle course-poursuite. En 2 jours. Et du coup, sur la fin du combat, vous avez entendu encore une fois le grincement de la pierre. Et cette fois, vous avez pu sentir un petit peu l'inertie qui vous emportait comme si vous bougiez en même temps que, bah, enfin, vous bougiez en même temps que le sol. Et ouais, vous vous êtes senti un peu emporté vers l'avant. Tout le temple semble en mouvement. C'est ce que vous pouvez penser, ouais. Ça n'a ni queue ni tête, mais pourquoi Est-ce pas? que je Est-ce qu'il y a des propose? choses qui sont tombées? Est-ce que c'était brutal? Est-ce que ça a Non, mis... c'était léger, ça s'est passé en 10 secondes. En 10 secondes, ça c'était très très fluide. Même le démarrage, pas posé de problème. Je propose qu'on marque les murs. Donc je vous parle, je suis au plafond, Est-ce que, est-ce qu'il a bougé en même temps que nous? Oui, il a bougé en même temps que vous. Ok. Je propose qu'on marque les murs, donc à la sortie du couloir, à la fin du couloir, qu'on marque le mur et qu'on puisse remarquer en combien de temps on fasse ce que si on fait tout un tour, il y a forcément un moment, comme ça s'ouvre, ça se ferme, il y a un moment, on va revenir sur nos pattes, savoir en combien de temps on revient sur nos pattes. Attends, mais est-ce qu'on est déjà conscient qu'on est sur quelque chose de circulaire? Ah, circulaire ou pas circulaire. Moi, Si je pense ça bouge, que il y a un moment, on va revenir sur nos pattes. si ça bouge, déjà, il faut s'inquiéter de est-ce qu'on peut ressortir? Bah, le garde nous disait Parler de que 10 oui, des minutes. fois, ça... Toutes les 10 minutes, ça s'ouvre, donc. Est-ce qu'on a une idée du temps qui s'est passé depuis qu'on est rentré et ce mouvement? Ouais, ça correspond bien à 10 minutes. Ça correspond à 10 minutes, d'accord. Ok. Donc c'était bien un mouvement qu'on a entendu la première fois, c'était pas la pierre, juste la porte qui a roulé. On pense qu'il Mmh. y a eu un mouvement complet. D'accord. Ok. Bon, bah. Après, vous êtes libre de retourner voir à l'entrée si vous avez toujours accès Ouais. à la sortie, hein. Bien Moi, sûr. c'est ce que je vais faire. Ouais, Ouais, ok. ça me paraît aussi Je veux voir si on peut ressortir parce que pertinent. je suis inquiet. Ou s'il y a un autre passage. Peut-être, hein. Ouais. Ben, moi, je suis inquiet de voir si on peut ressortir. Donc, je veux. Moi, je suis pas inquiet, mais je suis curieux. Moi, Je j'ouvre le veux. coffre. Bah, écoute, Kaito, tu t'avances. Et effectivement, tu es face à un mur. Tu peux pas sortir. Le mur s'est refermé. Ah, bah, il avait dit vrai, hein, le bougre. Bordel. C'est ça. Et Bah. tu as face à toi un autre couloir que vous aviez pas spécialement observé la première fois. Ok. Il était là ce couloir? Bah. J'ai pas trop fait attention non plus. Il était là. Mais. Trop occupé à jouer aux cartes. Oui. Ok. J'avais pas fait attention. J'ai été un Mais petit peu qu'est-ce qu'il y a paralysé là-dedans? sur les. Ok, Mmh. donc tu t'avances et tu vois bah, une sorte d'entrepôt. Tu vois des barils, des caisses un petit peu empilées un peu partout. Ça a l'air d'être plutôt récent. Donc, tu vois pas de mousse ou des trucs comme ça sur les tonneaux, sur les barils. Voilà, c'est tout. Ça remplit pas la pièce, mais tu sens que ça pourrait quand même. Si c'est de la nourriture dedans. Je pense qu'il y en a pour un bon bout de temps, quoi. Ok. Eh bien, je refais le plein de mes rations. Ok, très bien. Ouais, tu peux prendre quelques trucs. Je regarde un peu ce qu'il y a à droite à gauche, si jamais. Ok. Je fais un test, je sais pas. Test de perception. Ouais.
Iki, qu'est-ce que tu fais du coup dans ton coin? Moi, je jette un œil pour regarder si Kaito il va bien, et puis c'est tout. Je fume ma pipe tranquillement, je vais retourner avec lui. Je vois que la pièce est fermée de toute façon. Ouais. Après, alors toi, si tu t'avances quand même au même niveau que lui à un moment? Écoute, oui, je vérifie ce qu'il fait quand même. Pour toi, ça fait aucun doute. Tout ce qui est là, c'est du matériel de pirate. Ouais. Bon, je laisse Kaito faire son tour et puis je l'attends pour repartir avec lui. Et Kaito, au moment où tu t'avances un peu dans la pièce, t'observes vraiment bien tes environs et tout, tu vois deux fils qui dépassent du sol. D'accord. Un fil que tu vois relié à une cloche. Ok. Et un fil qui est relié tout au bout de la salle à un genre de harpon bien lourd. Un lance-harpon. Ok. Et tu te dis, bon, bah celui-là, faut pas y toucher. Ok. Ok. Mais je vais me rapprocher enfin, éviter celui avec la cloche et me rapprocher de celui du harpon. Ouais. Et je vais essayer de le désarmer. Ouais, bah tu. Vas-y. Tu peux. Fais-moi un jet de. Comment ça s'appelle? Enfin, en fait. C'est assez simple, mais fais-moi quand même un jet de sabotage. Moi, je m'accroupis hein, quand il commence à faire ça. Bon, ok. Compétence, sabotage. Ça va pas être compliqué parce qu'en gros, il suffit juste d'enlever le harpon pour le. Voilà. Bon, à 27, avec ça, t'as peut-être très vite compris ce qu'il fallait faire. T'enlèves le harpon très délicatement pour pas qu'il te file entre les doigts au cas où tu aies la main un peu lourde. Et du coup, bah, y a plus aucun risque parce que même si du coup la corde se déclenche, il y aura plus rien dans le lanceur. Yes. Et ben, je suis content. J'ai gagné combien de points d'expérience sur le désamorçage. C'est caché. Ah merde. Ok. Alors je sais que je peux gagner d'expérience, donc je vais désamorcer la cloche. Ouais, si tu veux. Hein. De toute façon, c'est tout pareil. Hein. C'est facile. Hein. Non, mais je me dis, j'ai très peu pratiqué le désamorçage. Ça me permet de m'entraîner à moindre frais. Très bien, très bien. Refais-moi un test de sabotage. Okay. Yep. Sur un malentendu. Sur un malentendu. Sur un petit 1, il fait sonner la cloche. On est non, bah exactement le même jet, donc pas de souci. Tu es très constant dans ton sabotage. Je suis fier de moi. Je range mes outils. Je l'ai fait luire. Je crois que je les regarde un peu à la lumière, je suis content. Petit saboteur. Du coup, est-ce que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans la pièce, mis à part des rations? Non, c'est vraiment que de la bouffe. Je pense. Il y a un peu de flotte, enfin, c'est vraiment que des trucs pour la survie. Quoi. Tiens, je prends une lampée d'eau et puis je me barre. Ok. Quand il passe, je regarde Kaito, je me pipe comme ça, je fais un vrai pirate. Oui, on parle bien de vous là, non? Bah, non, mais. Bien, hein, vous avez l'œil, hein. Ouais, j'ai rien à voir avec vos pratiques. Ouais. Et vous en pensez quoi? Vous pensez que dans 10 minutes on pourra sortir? Oh, ça c'est pas dit, j'ai pas très bien compris le mécanisme. Faudra faire attention, là c'est fermé, tout à l'heure ça s'est ouvert juste devant nous, donc faudra juste faire attention de. Si au moment où on voudra ressortir, il faudra peut-être être patient, donc ne pas être poursuivi et. Du coup, bien faire attention aux ennemis qu'on a en face de nous, si jamais il y en a. Ah, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder derrière avec cette technique. Oui, enfin, c'est pas dit que derrière nous, il n'y ait pas une autre ouverture qui se fasse et qu'on soit surpris par d'autres ennemis. Allez, rejoignons les autres, avançons. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs les autres pendant que Iki et Kaito sont... J'ouvre le coffre. On est d'accord, on n'a aucun moyen de comprendre qu'on a tourné. Non, c'est encore un peu compliqué là. Ouais. Il y aurait des manières de savoir, mais là, vous n'avez pas fait de quoi que ce soit. Ouais, tiens, d'ailleurs.
Si je vite fait, je retourne, j'essaye de choper un bout de charbon qui reste au bord d'une torche. Là, s'il y en a une, Moi, tu peux même récupérer la torche et ça va faire je, marquer. Hein. Et je vais m'en servir pour marquer le mur où il y a le, où il y avait le, l'ouverture. Ok. Donc ici là. Ouais, ça marche. Ça marche, ça marche. Tu marques quoi? Le mur. Le mur en lui-même. Tu marques quoi? Ah non, je fais une grosse trace. Je fais un gros K. Parce que je suis immature. Ok. Ok. Ok, donc toi, tu ouvres le coffre, Enzaru? Oui, je déclenche un piège mortel. Pas du tout. tu vois des vieilles affaires puantes. Et c'est tout. Il y a absolument que ça dans les coffres. C'est les affaires des gars. Voilà. Ça sent ici là. Bof, laissez tomber. Ici, avec eux des mousses. Le capitaine est là. Le trésor, c'est lui qui l'a. On stocke jamais rien, nous. Bon, après, ils avaient pas l'air de tous respecter le code. Alors, si ça se trouve, on peut tomber sur quelques pièces à gauche, à droite. Écoute, on va vous croire sur parole. Hein. Pour Teren, je veux pas vous dire, mais c'est vrai que. C'est bizarre de vous voir en haut. C'est bizarre, mais c'est pratique. Au moment où il dit ça, je chope des bébêtes qui sont coincées dans les toiles d'araignée et je mange. Ouais, ah. Je sais pas si bizarre, okay. C'est le bon mot. Qui n'est pratique d'ailleurs. C'est ce qui... Ok. C'est répugnant. J'adore. J'adore. Ça fait peur. Ok, alors vous arrivez donc, vous continuez dans le petit couloir, c'est ça? Yes. Tout à fait. Et vous voyez une nouvelle salle avec un gros matou qui est allongé en train de ronger un os, un gros os. Il a l'air hostile. Ouf, belle bête. Il a l'air plutôt calme. Et tout au fond, vous voyez assis sur une souche un... Bah, clairement, le chef des pirates, hein, pour vous, ça fait aucun doute. Hein, Le capitaine. Le capitaine avec son beau tricorne. Je vais vous montrer aussi. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je vois pas. Ouh. Putain, lui, il a la classe. Prévenant ah oui, donc y a, effectivement, il y a que. Il doit y avoir que Elerina, peut-être. Et Terendul qui doivent le voir pour le moment. Il est un peu caché, il est caché dans l'ombre. Assis sur une souche et il se gratte la tête à travers le tricorne et il regarde une carte il regarde un bout de papier il le tourne dans tous les sens et il comprend pas. Et devant vous, vous avez aussi vous voyez un ensemble de comment on pourrait dire d'engrenages de tourées. Ouais, c'est des appareils qui sont posés des sortes de gros boutons. Voilà, avec des trous dedans. Je fais un signe de tête à Iki. C'est vous l'expert. Le pirate. Bah ouais. Quand Enzaru, tu te mets à côté, là, tu passes, vous entendez quand même un petit grognement de léopard bien. Bien, vous passez. Bien grave. Genre, attention à ce que vous faites, quoi. Est-ce que la salle semble fermée ou on voit toute la salle là? Même Terendul ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté là. Ok. En se contorsionnant un peu, tu pourrais, mais là non, pas vraiment. Est-ce que vous êtes prêt à passer un marché avec lui et faire moite-moite le trésor avec lui pour qu'il nous dise tout ce qu'il sait déjà sur le donjon? Bah, absolument pas. Enfin, bon, il n'y a toujours qu'un seul capitaine hein, à bord. Je suis désolé, mais... Eh bah, c'est lui le capitaine. Non, ça c'était avant. Il faut pas avoir un bateau pour être capitaine? Bah non. Je vais vous prouver que non. Le bon couteau qui retournait, re-retournait dans la plaie. C'est ça qui est bon. Ah, je suis pas expert en bateau. Capitaine de bateau. Hein.
Vous avez vu comment on recrute des pirates, non? Je viens de vous faire la démonstration. Ah bah si vous recrutez ça... Enfin après si vous faites ce que vous voulez, mais... On sait pourquoi vous avez plus de bateau. Bon, on est là pour discuter ou pour agir? Enfin bon, le chat a l'air véloce. Quand j'essaie de le contourner, il grogne ou pas? Il grogne. Est-ce qu'il est point sur d'attaquer si je le dépasse? Il grogne et commence à montrer un peu les babines, quoi, tu vois, les... Ouais. Est-ce qu'il peut me choper au plafond? 3 mètres, c'est compliqué quand même. Alors, surtout qu'il a l'air bien repu, tu vois. C'est le gramme à tout. Il fait des bonbons. Des bonbons. Ah, des bonbons. Ouais, il fait des bonbons. Des bonbons, mais 3 mètres, ça fait quand même beaucoup. Pour 3 mètres, c'est beaucoup quand même. Hein. Surtout sans élan. Ouais, voilà, sans élan, sans rien, là, il est couché encore. Hein. Ah, quoi qu'on prenne un appui sur un mur, ouais, il peut peut-être le. Est-ce que vous voulez que je lui dise quelque chose au capitaine? Oh, ça serait tellement drôle. Le capitaine, il vous a vu hein, maintenant, parce que bon, vous êtes dans la lumière, il a entendu le grognement, mais ça n'a pas l'air de le perturber plus que ça. Il est concentré sur son. Il y a un bout de papier, il a quelque chose hein. Ouais, il a un bout de papier, il se gratte la tête, il le retourne, il le met dans tous les sens. Il est en galère. Hein. Oh, ben moi je crie, on peut vous aider? Oh, bah, peut-être des gens un peu plus intelligents que mon groupe de malpropres là. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, écoute, je traverse au plafond. Oh bah, et tu lâches une bombe. Je fais tomber une bombe de ma poche. Qu'est-ce que c'est que ce, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je me laisse tomber juste en face de lui. Ah bah, voilà des gens bizarres. Parler cette mère, c'est pas toujours qu'on, pas tous les jours qu'on rencontre des gens comme ça. Pas bizarre, évoluer. Le chat là, il est méchant? Oh bah, tant que vous me faites rien, il sera gentil, hein. Hein, Félix? Vous entendez. Waouh, tu fais bien le chat. Ouais, t'as vu. Ouais, il y en a une panthère à la maison, alors. Je passe sur le côté, mais je racle le mur, hein, quand même. Ouais, ça marche. Tenez-moi voir votre carte. Je lâche un bout de ma ration. Allez-y, hein. Regardez, hein. D'accord. Vous pouvez m'expliquer ce que vous avez compris des boutons. Ah ouais, cette carte. Ah, c'est oui, la même, c'est sérieux. Ah, on m'a filé. C'est mon père qui m'a filé cette carte. Oui. Le père, comment il s'appelle? Mon père, le capitaine du flamboyant. Ça me toque ou... Oh oui, capitaine flamboyant, c'était un bon navire. Ah, le capitaine du flamboyant, d'accord. Le capitaine du flamboyant. Je suis le capitaine Tilgame. Ça aussi, tu connais. Ok. Ah. Alors, capitaine, moi, c'est Iki Sombre Lame. Mais t'es vivant, vieux salaud. Bon, on va faire une exception, alors. Deux capitaines dans la même pièce. Bah, y a pas de bateau en même temps. Hein. Ouais, ça se tient. De toute façon. Ah bah donc il vous faut un bateau pour être capitaine, Iki. Mais non, pas besoin. La preuve, il est capitaine et il a pas de bateau non plus. Ah si. Ah ouais. Un bateau. Ah. Et plus loin là-bas. Plus loin où? Ça je vous le dirai pas, vieux Nigo. Je sais que il a coulé votre bateau. D'ailleurs, toutes mes condoléances. Si beau trois mâts. Bah, j'en ai déjà un nouveau. Ah, c'est vrai, comment il s'appelle? L'hippogriffe le retour. L'hippogriffe le retour, bah ça, quel nom original! Vous êtes bien un pirate, vous, hein? Mais oui. Alors faites voir votre carte, là. Bah, regardez, là. Je vous la remontre encore, si vous voulez. Est-ce que je peux comparer avec la mienne? Ah oui, bien sûr. Tu l'as plus, tu veux que je te la remonte? Je veux bien. Alors... C'est la même. Ah non, c'est pas la même. Puis je la pose sur les deux tourées, l'un à côté de l'autre, à côté de nous, pour que tout le monde puisse regarder. Ah, il y a moins de cabane. Bon, après, lui, il a dessiné ça à la va-vite après un rêve. Et vous l'avez où, votre carte, là? Ah, moi, la carte, c'est mon père qui me l'a filée.
sur son lit de mort, il m'a dit que il a vu ça en rêve ou je sais pas quoi. Il dit là-bas le plus grand des trésors. Et bon, vous savez comment on est, nous, hein. On nous parle de trésors, on nous file une carte, ni une ni deux, faut qu'on y aille, hein. Vous êtes d'accord, non? Ah bah, je dirais pas le contraire, hein. C'est la base, hein. C'est les bases. Ah bah, exactement. Hein. C'est vraiment. Vous déjà signé, savoir ce que c'est, votre trésor. Mais bon. Ah, vous savez, un trésor est un trésor. Et moi, si mon père me parle de trésor, je lui fais entièrement confiance, hein. On verra bien si j'ai raison à la fin. Bon, mais ça nous apprend pas grand-chose, ces cartes. En tout cas, ça fait 2 jours que je planche sur ce bordel. Donc là, et j'y comprends rien. Il y a une porte... enfin, il y a quelque chose de verrouillé, là, ça. Effectivement, là, vous avez une porte qui est en pierre et qui ressemble un petit peu à l'entrée du temple. Et du coup, on a quoi, des trucs marqués avec des nombres? Voilà, ça ressemble à des grands boutons avec des nombres dessus, exactement. Ok. Et on peut les déplacer, on peut appuyer dessus, on peut faire quoi? Bah, on peut appuyer dessus, mais quand ça bouge, vous avez vu que ça bouge, hein, d'accord, hein. Quand ça bouge, les boutons, ils remontent. Et il se passe rien d'autre. Moi, je sais pas quoi faire. J'ai essayé tellement de combinaisons, moi, j'en sais rien, moi. Ça va de 1 à 8... Et vous avez suivi une certaine logique. Bah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tout fait, j'ai fait d'abord puis 1, puis 1, 2, puis 3, puis 3, 4. Enfin, vous voulez dire qu'on peut les presser que l'un après l'autre? On peut en presser plusieurs? Alors, vous pouvez presser les 8 si vous voulez, vous croyez que c'est pas le premier truc que j'ai fait? Vous aviez 8 gars? Bah non, mais ils restent en place. Et par contre, dès que ça bouge, hop, il remonte. Les salauds. Donc, il faut trouver la bonne solution en 10 minutes, c'est ça? Bah, il semble, ouais. Sur la porte, il n'y a rien de... D'ailleurs, ça devrait pas tarder, hein. Si vous voulez faire un essai... Sur la porte, il n'y a rien, hein, d'indiquer. Il n'y a rien... Il n'y a aucune information qui... Non. Ni ailleurs, hein, des gravures, quelque chose... Il y a des gravures, mais rien qui semble indiquer des numéros ou autre chose. Ok. Je sais pas, moi je vais... Tiens, pourquoi on n'essayerait pas tous les nombres pairs? Vous avez compris comment ils sont rangés? Ouais, ils sont à quinconce. Ils sont à quinconce, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut essayer, ouais... 4, et 6, okay. Donc vous voulez essayer quoi? Bah mettons tous les paires ou juste un côté quoi. Est-ce que j'aurais un test de religion pour voir si Gozeray aurait un... Ah oui, tu peux essayer quelque faire chose un... en fait qui serait lié à... Tu peux faire un test de religion. À quelque chose de numérique. Tu peux faire un test de religion. Ouf. Je crois que là, s'il y a un nombre quelque part, je surgoserai. Je crois qu'on le connaît. Alors, il y a un nombre de Gozeray. Après, est-ce que ça va t'aider? Je ne sais pas. Mais Gozeray, il aime bien le nombre 2, enfin le chiffre 2, parce que c'est un dieu dual. Il est lui-même. Il a deux. Il est lui-même bipolaire. Il est même bipolaire, exactement. Enfin, bipolaire, c'est bien. Bah écoute, moi je... Enfin, il le dit à haute voix ou pas? Oui, oui, oui. Je sens un peu les connaissances que j'ai de Gozeray. Alors, à partir du moment où ne bougez plus trop, restez dans la salle, de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Comme okay, ça, attends, je peux vous au truc. Attends, juste avant que ça démarre, j'aimerais bien appuyer sur tous les Ah oui, bien sûr. De toute façon, je vous laisse le temps que je veux mettre tout ça en place. Okay. Vous pouvez me dire sur quoi vous appuyez, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'appuie sur 2, 4, 6, 8. On pourrait, si ça vous dirait d'être méthodique, déjà lui demander sur quoi il a appuyé, s'il a remarqué quelque chose de spécial. Bah, il a dit 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être qu'en appuyant, ça fait quelque chose. Et
Est-ce que vous avez tout simplement rien touché une fois? Pour voir ce qui se passait au bout de 10 minutes. Bah oui, il se passe rien, ça tourne et puis il se passe rien. Hein. Mais ça tourne quand même. Ah bah oui, hein. Là, toutes les 10 minutes, hein, comme un coucou suisse. Hein. Ok. Donc l'action de tourner n'a rien à voir avec ce mécanisme-là. Coucou suisse. C'est ouais. La Suisse. Non, Suisse, c'est... En fait, tous les matins, dans mon village, dans le village de mon padré, il y avait un gars, on l'appelait le Suisse, et tous les matins à la même heure, il sortait de chez lui, il faisait hey, « coucou hein! !» Hey, coucou. Du coup, le coucou suisse, pour nous, c'est resté, hein, vous comprenez. Et est-ce que la porte de cette pièce s'ouvre? Mais jamais! Elle s'est jamais ouverte! Je suis sûr que le trésor est derrière. Mmh. Bon. Bah. Oui, pas d'idée. Essayons d'être méthodiques, je sais pas. Vous avez essayé déjà au moins une fois toutes les touches? Bah oui, une fois. Puis j'ai attendu 10 minutes que ça tourne. Puis après, juste celle d'à côté, etc. Apparemment, je pense que c'est pas une seule, en tout cas, c'est sûr. D'accord. Eh bien, soit, pourquoi pas essayer tous les pairs, pourquoi pas Kaito. Voilà. J'actionne tous les pairs. Ok. Et donc, bon, effectivement, une minute après que vous ayez actionné les boutons, donc les boutons s'enfoncent très facilement. Pas de souci, ils ne remontent pas de suite. Et au moment où vous entendez le... Vous sentez bouger encore une fois. Alors, attends, on va le faire là. Oula. Ah, ouf. Ah, c'est trop bon. Hop. Et les boutons remontent. Et okay. La porte reste fermée. Ok. Moi, je vais retourner en arrière. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir tourné dans le même sens? Oui, contre... vous avez bien la sensation d'être emmené dans le même sens. On va avoir un problème, Formen. Que les ombres se décalent pas. Ouais, je sais. Je peux pas faire autrement. Ok. Mais pour le moment, c'est pas grave parce que c'est des pièces que vous avez toujours visitées. Ouais, mais ça va arriver à un moment. Et où... oui, il va forcément arriver à un moment où je vous dirai fermez les yeux, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Mmh. Ouais, en effet, oui. Ok. Bon, et si on imagine qu'on est dans un lieu circulaire et que les plaques, c'est pas forcément les chiffres, c'est la position de certains mécanismes. Possible. Mais bon, normalement, vous pouvez bouger. Merci. De toute façon, les points sont sur le pourtour du cercle, à part le premier. À part le 1. Tous les autres sont en bordure. Donc oui, ça serait possible que vu qu'on... Enfin bon, non, je le sais pas. Vu qu'on tourne. Est-ce qu'on peut faire un jet d'intelligence, quelque chose, au bout d'un moment, pour essayer de dégager si on comprend quelque chose? Si on passe du temps. Moi, je vais revenir essayer de marquer le... Ah, Enzaru. Ah oui, c'était sûr. Tu vois une nouvelle pièce. Une nouvelle pièce s'est ouverte devant toi. C'est pas du tout la sortie, c'est censé être la sortie, mais c'est pas la sortie. Mais alors, vraiment pas. Attends, faut que je retrouve la pièce, parce que j'en ai tellement... Alors, cette longue pièce semble se distinguer vraiment des autres que vous avez pour l'instant visitées. Les murs sont faits vraiment d'une teinte un peu plus pâle. Il n'y a aucune branche, aucune racine, aucune fissure. Et vous avez six petits piédestaux en pierre, trois au nord et trois au sud, qui sont chacun surmontés d'un petit brasero en pierre allumé. Et vous voyez les flammes qui sautent et qui claquent comme si elles étaient alimentées perpétuellement par une petite réserve de brindilles. Et donc du coup, ça pète un peu de partout à chaque fois. Et les dalles sont vraiment faites de pierres
vraiment surdimensionnées. Hein, à fond, c'est des dalles qui sont plus grandes que vous. Et juste à côté de ces petits piédestaux. Un piédestal, des piédestaux. Ça me paraît bien. Je sais pas. Ça me paraît bien. Ouais. Vous voyez plusieurs dalles avec des gravures de bêtes dessus, d'animaux. Et au-dessus, à côté de toi, sur ta gauche, Enzaru, tu vois un plus grand piédestal qui est lui aussi éclairé et surmonté d'un brasero. Est-ce qu'il y a quelque chose en haut ? Non, il y a juste le brasero. Juste le brasero, ouais. Est-ce que les plaques ont l'air amovibles ? Les plaques sont un petit peu surélevées, ouais. Donc tu penses qu'elles sont pareilles à pression. Après un petit. Après une petite période pour les examiner. Est-ce que vous voulez appeler les autres déjà ? Parce que vous n'êtes que deux. Ouais, moi je j'écrase encore la torche sur le bord là de la paroi avec celle bon à la jonction entre les deux là des deux côtés de part et d'autre. Ouais, ok. Du côté nord. Ouais, ok. Mais tu du côté gauche du coup parce que tu sais pas trop. Oui, de ce côté là ici. Ah ouais. Mais du coup t'écris quoi cette fois ? Ah non là j'écris rien, je fais un trait droit. Bien droit, entre les deux. Donc il y a un K et un trait droit. Oh, salut Paolo, je vais chercher les autres. Ah oui, j'ai pas loqué Paolo tout à l'heure. Du coup, il a tourné, mais... Enfin, la pièce a tourné, mais Paolo reste au même endroit. Oh les gars, on a trouvé une salle, c'est pas l'entrée, pourtant c'est par là où on est rentré. Bon, bah, allons jeter un œil. Ouais, je vous propose de rester ici et de faire mes muses avec les piliers le temps que vous fouillez les lieux. Mmh. Ben, on se prévient. Qui c'est qui souhaite rester ici ? Moi. Bon, le capitaine dit ouais, ouais, on va rester, on va essayer de trouver une solution. Hein. Dis donc, avant que tu partes, Iki. Vous voulez pas me laisser la deuxième carte qu'on voit si on peut comparer des choses avec Terendul, là, avec votre compagnon. Même pas comment il s'appelle, en vrai. Il s'appelle Paolo. Mais non, mais pas lui, là, l'araignée vivante, là. L'humain amélioré, qui dit. Évoluer. Tu peux remettre les deux cartes, s'il te plaît ? Ah, bien sûr. Je laisse la carte à Terendul. Et je lui lise doucement... ce n'est qu'un pirate. Faites attention à vous. Pas de souci. Je lui laisse la carte et je rejoins les autres. Bon chat. Alors. De ce que je vois, de toute façon, il y en a deux qu'on les regarde. Alors, si vous voyez là, pas, si vous voyez pas ce que c'est sur les dalles, je peux vous dire ce que c'est les animaux. Je crois que souris, j'ai lézards. Et quoi, c'est un dragon le troisième en haut à droite. Alors, vous avez dans l'ordre, vous avez de en haut à droite, enfin de en haut à droite en faisant. Bon bref, vous avez compris. Ça fait du... En partant de la gauche, du haut vers le bas. Ok, okay. Donc, okay, trois okay, colonnes. Okay. Donc, souris, loup, wyverne, poisson. Ensuite, lézard, chauve-souris, ours et oiseau. Et ensuite, dragon, lézard, wyverne et hyène. Alors, je sais pas du tout, tu es en train de parler de quoi ? Mais toi, c'est normal. Ok, c'est pour l'heure, ça là. Okay, okay, ouais, okay. Toi, t'es pas là. Dans mon rêve, il y avait un loup. Un loup blanc. Je sais pas si. D'accord. C'est lui qui est venu me chercher pour rejoindre Gozeré.
Ok, pourquoi pas. Je sais pas si ça peut. Et les dalles ont l'air. Ça a l'air d'être des dalles de pression. C'est ça. Ouais, tout à fait, Ike. Ouais, étonnant. On a deux fois la wyverne, deux fois le poisson, enfin l'espèce de lézard. Là. Si vous voyez quelque chose de. Si on annule ces cases-là. Ouais, ça n'a ni queue ni tête. Ah là, il y a plein de têtes, hein, pourtant. Hein, ouais. Après, si on fait une erreur, qu'est-ce qui se passe? L'autre, il est pas mort à faire des erreurs avec ses chiffres. Ouais. Enfin, bon. Ouais, on peut essayer, mais bon. Il va y avoir une logique dans tout ça. Peut-être un prédateur dans l'eau. Ou. Je sais pas. Vous y connaissez, vous Elerina, peut-être en nature, là. Peut-être des mammifères ou d'autres styles de créatures, non? Ils ont l'air de tous pondre des œufs ou faire. Ah non. Encore pas vu de chauve-souris pondre un œuf. Pendant ce temps-là, on va faire un petit truc. Vous êtes en train de comparer les cartes. Avec avec Till Game, ouais. Fais-moi un jet de perception. Plus la perception est liée à la sagesse, donc ça paraît cohérent. On va voir si tu arrives à percevoir un peu les. Je vous ai laissé. Bah, il y a une carte. Il y a une carte qui est plus fournie que l'autre quand même. Bah, j'ai l'impression qu'il y a une carte qui est pair et l'autre qui est impair. Enfin, il y a un truc. Tu vois, j'ai l'impression que les dalles au centre, tu vois, il y a les pairs et les impairs forcément. Et là, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a les cartes. Il me semble que j'avais compté. Il y avait 12 arbres et 13 sur l'autre, qui est 3 maisons pour 4 maisons. Moi, j'ai regardé d'un côté, de l'autre de la rivière pour les arbres. Et c'est les chiffres qui ressortent, c'est du coup 4, 3, 6, 7, 9. Mais l'autre carte, c'est différent, en fait. Et a toujours un de plus ou un de moins, donc c'est... Alors, avec un 20, t'as remarqué un truc qu'il n'y a pas sur la carte du capitaine. C'est en bas à droite, t'as des traces, des genres des traces de doigts. Ah, l'espèce de tache, là. Les espèces de tâches. Ça m'a pas... Je les ai vues, j'ai rien dit. J'ai pas... Merde, il faudrait que j'affiche la carte. Renvoie la carte. Ça m'arrive pas choqué. Renvoie. J'ai cru que c'était un défaut. De... Là, j'arrive pas à les mettre en vie. Ah ouais. Vous avez, normalement, en bas à droite, vous avez un truc pour les... Ouais, pour les réduire. Ouais. Les réduire, et si vous faites un double clic dessus, sur la barre en haut, normalement, ça les réduit comme... Ah oui, voilà, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. 2, 5, 4, peut-être, je sais pas. Ah oui, j'avais pas vu les traces, ok. Voilà, donc ça, c'est ce que vous remarquez avec le capitaine Till Game. Ok. Et attends, et si on fait juste une soustraction de différence entre les... Ça a l'air d'être des traces de forme de patte d'un animal, non? Bon. Je dirais pas la... Ah ouais, c'est bizarre. Une patte d'oiseau tout en bas à droite, juste un point central. Bah écoute, je vais appuyer sur 2, 5, 4 pour ce coup-ci. Ok, ça marche. Du coup, on verra ce qui se passe dans 7 minutes. Exactement. Parce que c'est 10 minutes en jeu, mais je fais un bon quart d'heure en vrai, histoire que bon, vous ayez le temps de faire des choses. Et sur ma carte. C'est logique, tu sais, il y a la croix avec nord, sud, est, ouest. Ouais. Et il y a un cercle tout à droite. C'est. Ouais. On a tu... ça, ou... Pour le moment, t'as aucune idée de ce à quoi ça peut correspondre. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est en plus par rapport à l'autre carte. La pleine lune, peut-être. Bah non, mais je pense que du coup, l'orientation est hyper. Est-ce qu'il faut pas être tourné vers l'est avant de pouvoir ouvrir la porte? Ouais.
je pense qu'il faut faire le bon code et au bon moment. Oh la vache. Le truc relou. Si c'est ça, c'est le truc relou. Non, c'est pas tordu à ce point. Après, dans un sens, il faut le faire au bon moment parce que ça vous ouvre des endroits différents de la carte, du coup. D'ouvrir cette porte. Selon si vous le faites au moment où vous êtes au sud ou au nord de la carte, forcément, vous n'avez pas accès au même couloir, quoi. Donc, Ouais, tout comme la porte du nord. Voilà, c'est ça. Vous, qu'est-ce que vous faites avec vos dalles d'animaux, là ? Le seul truc qui, moi, me cause, c'est... Ça peut paraître bête, mais il n'y a qu'un seul animal marin. Tous les autres, non. Ça vous dit de marcher sur le poisson ? Ouais, mais je pense... On peut essayer, hein, mais je pense pas qu'il n'y ait qu'une seule solution. Non, quitte à essayer quelque chose... Allez-y, Ikki. Ah, c'est moi qui m'y colle. Ah bah, c'est vous qui avez l'idée. Ah bah oui, forcément. Je marche sur le... Ok. Sur le poste, mais je marche bien dessus, hein, je me fous bien au milieu. Ouais, pas de soucis. Mais écoute, tu vois la dalle qui s'enfonce assez facilement, au final. Et après, après une seconde, eh bien, Kaito et Lerina et toi, vous allez me faire un jet de réflexe, s'il vous plaît. Vous allez me faire un jet de réflexe parce que vous voyez que le crépitement du bras zéro commence à vraiment s'amplifier et des gerbes de feu commencent à sortir du bras zéro et à vous sauter dessus complètement. Voilà, ça vous saute dessus. Et où les réflexes déjà ? Le premier combat. Le premier... Sommaire. Sommaire, oui. Ouh. Le 1 est pas passé loin. Hein. Mais vous arrivez à esquiver, les gerbes de feu. Tous. C'était juste ce bras zéro là. Juste ce bras zéro là, ouais. D'accord. Et la dalle est redescendue. La dalle est remontée si tu t'en vas, ouais. Si tu sors de la dalle, elle remonte. D'accord. Oui, bah le réflexe, je fais un pas de placement pour reculer. Très bien. Ok, c'était pas une bonne idée. Au moins, on sait que si c'est pas la bonne, attention au bras zéro. Je jette un œil au plafond, y'a rien de bizarre. On peut se prendre un truc sur la tronche si on marche sur la viverne ou l'ours là en plein centre. Ça a l'air, c'est de la pierre très très bien taillée ici. Y'a rien qui dépasse, y'a pas une racine, y'a pas une fissure. Tu vois les quelques-unes qui sont à l'entrée. C'est les dernières qu'il y a, après tout est nickel. Ok. Ça vous dit, Kaito, d'aller marcher sur la tête de Wyvern, là, à l'opposé, en même temps que moi ? Oui, on peut essayer. Restez tous sur vos gardes, hein. Alors, moi, j'ai une autre idée, mais bon... Ouais. Je pensais prédateur-proie, mais c'est pas forcément vrai pour tous. Par exemple, le poisson avec l'ours, le chat avec la souris, ou des choses comme ça. Ouais, ça, c'est une idée. Si on trouve pas, faudra creuser. Du coup... Je suis sur la viverne du fond. Ok. Bah, du coup, on fait un compte à rebours et puis ouais. On saute dessus en même temps. Allez. Ça marche. Du coup, ouais. 3, 2, 1. Tac. Il saute dessus. Alors là, je regarde les flammes. Hein. Je suis inquiet. Ouais. Tu regardes lesquelles flammes ? Moi je regarde celle au sud. Celle du bas. Ouais. Celle du bas. Alors celle du bas, eh ben, rien ne se passe. Par contre, ici tu vas me relancer un petit jet de réflexe. Non, bordel. Ouais, pas de soucis. Moi j'étais prêt. T'étais prêt, tu t'y attendais. Pas de soucis. Et quand Kaito, tu sors, la dalle reste enfoncée. Merde. Ok. Ah, elle reste enfoncée. La sienne reste enfoncée, la tienne remonte. D'accord. Et moi aussi, je suis sorti. Oui, toi, tu... Bah, sinon, t'as avec les le réflexe partout. Avec le réflexe, je suis sorti. Ouais, voilà. Et la tienne est remontée. Ouais.
Et Keito, les restants en français. Et par contre, vous voyez bien que les flammes semblent vous aller vers vous, quoi. Elles sont, c'est pas elles, elles bouillonnent dans tous les sens, c'est elles vous target, quoi. Ok. Elles vous ciblent. Bon, on a peut-être trouvé la première, hein, en tout cas. Bah, il y a deux lézards, vous voulez essayer? Moi, je commence à fatiguer. Qui c'est qui sent avec des bons réflexes, là? Oh, je veux bien continuer. Moi, je vais aller sur celle du... En jet de réflexe, on est comment, tous Vous êtes plutôt bien, hein. J'ai pas à me plaindre. Bah, allez-y, hein. Keito, moi, je vais rester près de la porte, des fois qu'elle se ferme ou que ça bouge. Je peux pas appuyer, j'ai pas encore la capacité du extra grand écart. Je vais quand même rester devant la porte. Si je vois que ça bouge, je saute de l'autre côté pour aller chercher les autres. Ah bah si ça bouge, t'auras pas le temps. Hein. C'est vrai. C'est en 10 secondes à peu près, hein, donc ils sont loin. Hein. Ah ouais. Puis c'est en 10 secondes, enfin si au dernier moment t'arrives, t'auras pas le temps de faire l'aller-retour pour. Vas-y. Voilà, et que vous vous décidiez quoi. Si vous voulez être tous ensemble, il faut le décider avant. Hein. Allez, et en même temps, les lézards. Oh. Ouais. Allez, 3, 2, 1, tac. Ben, lancez-moi deux jets de réflexe, s'il vous plaît. Ok, pour Kaito, ça passe sans problème. Pour Enzaru, ça passe pas. Pour Enzaru, ça passe pas. Tu me prends 13 points de dégâts de feu, s'il te plaît. Et du coup, quand on sort... Quand vous sortez, la dalle remonte. Les deux ? Les deux remontent. Et celle de Wyvern est toujours enfoncée sur la colonne de gauche. Ah bon. Bah, il reste la Wyvern... Enfin non, le quoi, c'était le dragon en haut ? Un dragon, ouais. Il reste un dragon et un loup. Il reste et la hyène en bas à droite. La hyène, pardon. Ouais, et à gauche, donc à gauche, il reste la souris, le loup que vous n'avez pas essayé, et au milieu, il vous reste la chauve-souris, l'ours et l'oiseau que vous n'avez pas essayé. Écoute, je pense avoir compris. Si le plus grand prédateur à chaque fois est le plus fort sur chaque colonne, ça serait bien la wyvern qui dévore le poisson, le chien et la souris. Mm. Il suffit de trouver le. À votre avis, entre un ours, une chauve-souris, un lézard et un piou-piou, on peut partir sur l'ours. Et le dragon... C'est le dragon Ouais, vas-y, je tente direct. Je sur l'ours. Vous voulez que j'y aille, Kaito? Parce que, non, j'y vais. J'ai pris Enza, je vous sens un peu... Ne vous inquiétez pas. Je suis pas inquiet. Petit compte à rebours. 3, 2, 1, top. Vous sautez. Et là... Non. Pas de... Ouais, exactement. Pas de... Exactement. Pas de jet de flamme, rien du tout. Les trois dalles restent enfoncées. Et vous entendez encore un petit raclement de pierre et vous voyez que le brasero de gauche s'éteint. Et à la place apparaît une genre de petite estrade comme ça avec un symbole, genre de pierre précieuse, en forme de croissant de lune. Un symbole de croissant de lune. C'est un objet ? Ouais, c'est un objet. Un objet que vous pouvez prendre. Qui est posé sur un piédestal, comme ça. C'est un objet métallique Métallique, avec une genre de pierre précieuse, un genre de c'est quoi ? C'est le saphir qui est bleu ? C'est ça. Voilà, donc un genre de saphir, une pierre très précieuse. En forme de croissant de lune. Je veux vérifier qu'il n'y ait pas de piège ou rien du tout autour. Qu'il soit. Avant de le soulever, que je sois sûr de ne pas me prendre un piège. Ok, bien sûr, fais-moi un petit jet de perception. Oui. Pour toi, il n'y a rien. Ça marche. Eh bien, étant sûr de mon coup, je le soulève. Très bien. Mais écoute, tu as maintenant dans la main un symbole de croissant de lune. Ah, je suis fier de moi. C'est un... Du coup, c'est... Ça fait la taille de ton poing, à peu près. Ok.
Et la forme, c'est circulaire, c'est un... C'est un croissant de lune. C'est vraiment un croissant de lune. Ok, ok, ça marche. Ok. Du coup, croissant de lune dit autre morceau de lune. Hein. On a qu'un bout, les gars. Et vous entendez... Ah non, je veux pas, je veux sortir. Vous avez toujours un peu de temps, vous savez qu'il y a toujours okay, une seconde. Ok, je sors. Je me remets vite dans la pièce à côté. Ok. Elerina aussi, ouais. Nzaru aussi. Oui. Bah j'hésite. T'hésites? Ah bah tu fais ce que tu veux hein. T'as 5 secondes pour me dire. Non, je sors. Tu sors. Ok. Mais j'hésite parce que ça, si on reste dedans, peut-être qu'il y a. J'ai fait une trace, on retrouvera. Non, vous avez bien fait de sortir. Seul l'anneau tourne. Oui. L'anneau Quel anneau? On est dans un anneau. Un anneau de pierre anneau. autour d'un autre grand anneau qui ne bouge pas. Du coup, c'est nous qui tournons, c'est ça? C'est ça. Intéressant. Belle théorie. C'est digne de votre pipe. Et voilà. Alors, attendez, faut que je vous détache. Mettez les ceintures. Ça va tourner. Donc là, Kaito, vous mettez encore une marque sur le mur. Ah vous ouais, avez ouais, mis là, quoi? Du coup, là, je vais mettre un gros I. Voilà. Vous vous rappellerez ce que vous avez noté, dans quel ordre, ça? Oui, c'est d'abord moi, puis vous. Et donc là, vous n'avez... Vous êtes face à un mur, maintenant. Ouais, mais je vous fais un gros bruit sur le mur. De votre côté... J'allais dire Aiki, mais non, c'est Terendul qui est avec le capitaine Tilgame. Tout à fait. La porte s'est ouverte et les boutons sont restés enfoncés. Et voilà. La porte s'est ouverte comme si elle s'était glissée dans le mur. C'était quand même pas bien compliqué. Il t'a fallu un sens de l'observation très pointu. Et ben je remonte vite au plafond. Très bien. Mais comment vous avez fait pour ouvrir? Ça me prendra un peu trop de temps. Ah, votre camarade, dis donc, il a le sens de l'observation, hein. Regardez, il te montre les deux cartes côte à côte. Il dit, vous voyez là, les traces là sur la carte, ça ressemble à des traces de sang là, de doigts ensanglantés là où je sais pas trop, c'est bizarre, hein. Eh ben, il y en avait deux, puis cinq, puis quatre. Du coup, il s'est dit, on va essayer 2, 5, 4 dans cet ordre, puis ça a marché. Merci. Qui c'est qui nous a filé votre carte, dis donc, c'est beaucoup plus fourni que la mienne, hein. Un sacré rêveur. Mais dis donc, t'es allé faire quoi par là-bas là? Y a plus rien par là-bas, j'ai fait tout le tour, moi. Bon, il y avait rien. Bah non, en effet, on a presque perdu 10 minutes. Enfin bon, l'important, c'est que vous ayez trouvé. Bah oui. Bon, bah je vous accompagne, alors. Bah... Ouais. Oui, passez devant. Je me suis bloqué dans un décor. Ah mince. C'est bon, je t'ai débloqué. Merci. Sorry, c'est ma faute sûrement. Non. Enfin bref. Vous voulez que je passe devant? Bah oui. Oui, vas-y. Bah très bien, hein. Vous emboîte le pas. Oh, bah, hey, il y a un bonhomme ici, il y a un bonhomme, venez voir. Il n'a pas le sens de la discrétion. Ah bah, écoute, hein. Bah dis donc, bonhomme, ça fait longtemps que vous êtes là. Là, vous voyez un vieillard. Je vais vous montrer sa photo. Du coup, c'est un poisson qu'il a sur le dos? Ah non, c'est un but. Non, c'est quoi? C'est un sac, c'est un vieux sac. Ouais, d'accord. Si tu vois, regarde sur la droite là. Oui, d'accord. C'est un baluchon, quoi. C'est un vieux baluchon. Ouais, ouais. Oui, c'est beau l'artoir, Clara. Okay. Il est beau, hein. Moi, je l'ai piqué, hein. Ah oui, je vois bien, hein, j'imagine bien. Ah, je pique tout, hein. Bah, t'as raison. On dirait Iki, mais en plus sale. En plus vieux. Cette pièce, elle est étonnamment très très bien meublée. Hein. Vous voyez que le gars, il s'est fait
des sortes de fauteuils, il a un lit, une table, il a tout ce qu'il faut, il a un grand brasero au milieu qui est bien fourni aussi. Bon, c'est, quand je dis il s'est fait des lits, ça reste quand même une plateforme en pierre avec des branches et une couverture sur le dessus. Hein. C'est pas non plus... Et bref, l'homme que vous voyez lève les yeux et il sourit vraiment d'un grand sourire. Il a l'air ravi de vous voir. Il porte une grande cape blanche et à son cou pend un genre de pendentif, un grand pendentif, une pierre en forme de croissant jaune. Ah. Et nous, c'est sa fille. Alors, je sais pas la couleur, c'est quoi l'améthyste. L'améthyste, voilà. Ouais. On va dire que c'est ça, alors. Si, ça me parle. Alors, améthyste, c'est violet. Jaune, c'est topaz. Topaz, voilà. Eh bien, écoute, ça sera topaz, alors. Topaz. Moi, j'y connais rien, hein. Je vous faisais confiance. Hein. Eh bien, ça sera donc une topaz en forme de croissant de lune. Bah, en forme de croissant, tout court. Mais écoutez, je vais vous laisser réfléchir à cette rencontre, et puis on va s'arrêter là, hein ? C'est un vieil ermite dans une grotte. Exactement, dans un temple. Dans un temple. Je vous laisse réfléchir à ça, et puis on se retrouve lundi prochain, la semaine prochaine, pour de plus amples aventures dans ce complexe souterrain. Un petit puzzle et tout, sympa. Ciao, ciao à tous. Ciao. À la prochaine. Ciao. Et voilà, l'épisode est terminé. Il est l'heure de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et rajoute un pouce si tu as aimé la vidéo. Avec Twitch, viens nous voir en live. Sur Facebook, tu peux aimer notre page. Sur Twitter, suis-nous. Tous les liens sont dans la description. Allez Minsk, on y va. Nous on a encore du gobelin à dérouiller.